Camping à la montagne. Oh. Oh. Bonjour Patou. Eh bien, quelle chaleur terrible aujourd'hui. Tu as raison, Pocoyo. Vous devriez aller vous réfugier dans un endroit frais comme... à la montagne, par exemple. Pato, je crois que tu es le mieux placé pour diriger cette excursion. D'ailleurs, je vois que tu es très bien équipé. Ça y est, me voilà enfin arrivé au sommet. Quelle vue incroyable! Ah, te voilà enfin, Pato. Ce n'est pas trop tôt. Dépêche-toi de planter ta tente comme Pocoyo et Nina. Ah, voilà les piquets de la tente. Mais ce sont des clubs de golf. Je crois que tu t'es trompé de sac, mon pauvre Pato. Ne t'inquiète pas. Je suis sûr que Pocoyo et Nina vont trouver une solution. Thank you.
Regarde, Pato, un cadeau pour toi. C'est magique, n'est-ce pas? Finalement, c'est formidable de camper à la montagne, pas vrai? Bonne nuit, les amis, et à bientôt. Le gâteau aux fruits. Bonjour, les amis. Qu'est-ce que vous lisez? Un livre de cuisine. Ah, c'est très bien. Et vous avez trouvé une recette qui vous plaît? Ce gâteau a l'air savoureux. Je crois qu'il sera parfait pour le goûter. Et de quels ingrédients avez-vous besoin? Ah, je vois. Il nous faut des fruits extraordinaires, bien sûr. De quel genre de fruits s'agit-il? Ah, ce sont des fruits délicieux qu'on peut trouver dans l'incroyable forêt aux fruits extraordinaires. Ah, c'est mieux comme ça. Je crois que cette fourmi t'aime bien, Pocoyo. Nina dit que les fruits qui poussent tout en haut des arbres sont les meilleurs pour la pâtisserie. Il y en a partout dans la forêt. Peut-être pourriez-vous vous diviser en deux groupes pour aller plus vite et en cueillir plus. Oui, vous pouvez commencer ici. Il y en a plein. Ils ont l'air délicieux. Je vole! Mais dis donc, Pocoyo, rappelle-moi pourquoi vous êtes venu dans la forêt. Bravo! Vous formez une très bonne équipe, tous les deux. Tu as vu, Ellie? Pocoyo a trouvé des fruits magnifiques en faisant du trampoline. Ah.
crois que vous allez pouvoir faire votre gâteau maintenant. Formidable! Quelle chance que vous ayez autant d'amis avec qui partager ce délicieux goûter. Une journée à la plage. Bonjour Ellie. Où vas-tu? À la plage? Ah, tu vas passer la journée au calme, toute seule. Oui, ça va être très reposant. Oh, regarde, c'est Pato. Ellie, je crois que Pato aimerait bien t'accompagner à la plage. Qu'est-ce que tu dis, Pato? Tu veux bien conduire? Oh, c'est très gentil à toi. Qu'en penses-tu, Ellie? Du calme, Pato. Ellie voudrait passer une journée tranquille. Ah, voilà qui est mieux. Tu veux bien emmener Nina et Roberto, Ellie? Papa, plus on est de fous, plus on rit, n'est-ce pas, Ellie? C'est parti, tout le monde va à la plage. Il Nina, ça ne va pas? Oh, j'ai compris. Oh. Pato, tu ferais mieux de t'arrêter. Toi aussi, Pocoyo? Ah, oh, d'accord. Il ne manquait plus que ça. De quel côté est la plage? Par là.
Ah oui, c'est une excellente idée, Ellie. Peut-être qu'il pourra nous indiquer la route de la plage. Mais nous sommes revenus au même endroit. Oh non, encore. Soleil, on va bien s'amuser. Alors, Ellie, il n'y a rien de plus agréable que de partager un bon moment avec ses amis, n'est-ce pas? Même si vous avez eu du mal à trouver la plage. Au revoir et à bientôt. C'est quoi une vache? Bonjour, les amis. Comme il fait beau, c'est le temps idéal pour jouer et profiter du bon air. Oh, doucement! Non! Attention, Ellie, ce que tu as dans la main, c'est un petit poussin. Oui, il est presque de la même couleur. Qu'est-ce qu'il fait là, tout seul? Poussin! Poussin! Oh, le pauvre! Je crois qu'il est perdu et qu'il ne sait pas comment rentrer chez lui. Il n'est pas perdu! Il est avec nous! Il dit qu'à la ferme, tout le monde doit être très inquiet. Surtout son ami la vache. Il faut qu'il rentre chez lui. Les deux rats. Car, compas. Très bien, vous partez tous chercher son ami la vache. Vache? Vous ne savez pas à quoi ressemble une vache? Bien sûr qu'on sait. D'accord, je vois. Bon, que je vous explique une vache, c'est... Tu veux décrire toi-même à quoi ressemble ton ami? Bien sûr, tu la connais mieux. Il dit que son amie la vache est très gentille et amicale et qu'elle adore faire des siestes avec lui perché sur son dos. Attendez, vous savez où aller? Où? Le poussin dit que ce n'est pas une vache, que les vaches sont beaucoup plus grandes, qu'elles sont énormes. Oui. Tu sais où chercher, c'est ça? Désolé, dodo l'oiseau. Allez, rendors-toi, on s'en va. Malheureusement, les amis, ce n'est pas une vache non plus. En fait, ça n'a même rien à voir avec une vache. Ça, c'est une baleine. Baleine?
Le poussin dit que son amie la vache aime sauter, se servir de sa queue pour chasser les mouches et que ses pattes sont si longues qu'elles vont jusqu'au sol. Oh, je sais, je sais. Ah, ça y est, je crois que tu as enfin trouvé. Ou peut-être pas. Oui, d'accord, Pocoyo, cet animal a bien quatre pattes, mais ce n'est pas une vache pour autant. C'est Lula, et c'est une chienne. Quatre pattes, une queue qui chasse les mouches, aime faire des siestes. Ah non, désolé les amis, ce n'est toujours pas une vache. Ça, c'est un cochon. Bon, c'est vrai, lui aussi il aime sauter, mais c'est un mouton. Vous ne savez vraiment pas à quoi ressemble une vache. Cet indice devrait vous aider. Le poussin dit que son ami la vache a deux cornes sur la tête. S'il te plaît, petit poussin, donne-nous plus de détails sur ton ami. On va finir par la trouver, tu verras. Ah, ça c'est un très bon indice. Il dit que son ami la vache pousse des cris très particuliers. Vas-y, fais-nous écouter ces cris particuliers. Qu'est-ce que c'est ? Voyons voir ce qui se passe si vous l'imitez tous. Elle doit être vraiment tout près. Encore une fois. La voilà. Enfin, ça c'est une vraie vache. C'est formidable. Tout le monde s'est retrouvé. Bravo aux animaux, aux recherches qui se finissent bien et surtout, bravo aux amis. À la... Les dinosaures. Bonjour, Pocoyo. Salut. Tu fais quoi avec ces pattes à modeler? Ah, oui, je vois. Tu as façonné des mignons petits châteaux. Dinosaure. Oh, mais bien sûr. Qu'est-ce que je suis bête. Ce sont des dinosaures. Très impressionnant. Mais chut. Il ne faut pas réveiller Dodo l'oiseau. Et c'est lequel ton dinosaure préféré, Pocoyo? C'est le terrible Pocoyosaurus rex, le dinosaure le plus féroce de toute la préhistoire. Pato, Pocoyo fait semblant d'être un dinosaure féroce. Moi, Pocoyosaurus rex. Toi, lézard.
bientôt. Un bateau dactyle. Et quel cri terrifiant. Lequel de ces deux dinosaures est le plus féroce? Bateau, baisse le volume. Dodo l'oiseau est... Oh. Laisse tomber. J'ai bien peur que vos grognements aient réveillé Dodo l'oiseau. Oh non. Ellie, on n'arrive pas à décider lequel de ces deux dinosaures est le plus féroce. Tu en penses quoi? Le Diplo-Ellie. Décidément, cette histoire n'arrête pas de se compliquer. Moins de bruit. Pocoyo, tu vas réveiller Dodo l'oiseau. Ellie, non. Hein? Finalement, vous ne l'avez peut-être pas réveillé. Regarde le côté positif, Dodo l'oiseau. Puisque tu ne dors plus, tu vas pouvoir jouer avec les autres. Une météorite? Mais c'est ce qui a fait disparaître tous les dinosaures. Je crois que nous savons qui a gagné. C'est Dodo l'oiseau. Attention! Bravo aux dinosaures qui prennent le temps de faire la sieste. Au revoir et à très bientôt. Chut. Quatrième dimension. Bonjour Pocoyo, bonjour Ellie, bonjour Pato. Bonjour. À quoi jouez-vous les amis? Bonjour Obi. Voyons voir. Ah, il faut faire rouler sa bille dans le trou, n'est-ce pas? Et vous y arrivez? À toi, Pocoyo. Ça, c'est une bille noire très spéciale. Je suis sûr qu'elle est magique. Oh, je suis désolé, Pocoyo. Tu y étais presque. Alors, à qui le tour maintenant?
Attends. Que se passe-t-il? Oui. D'accord, Pocoyo. Ta bille est tombée dans le trou, mais elle n'a pas pu y aller toute seule. Je crois que tu as découvert ce qu'on appelle un trou noir. Les trous noirs attirent et avalent tout ce qui se trouve autour d'eux. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, n'est-ce pas? Pocoyo, ce n'est pas le moment de danser. Allons, Pato, éloigne-toi de ce trou vite. Bien joué, Pato. Accroche-toi à cet arbre et ne le lâche plus. Cramponnez-vous, les amis. Oh. Oui, moi aussi, je trouve ça plutôt drôle, mais il va falloir trouver le moyen de faire sortir Ellie de ce trou. Quelqu'un peut allumer la lumière, s'il vous plaît? Ah, j'aime mieux ça. Tout a l'air normal. À l'exception d'un tout petit détail, vos couleurs se sont mélangées. Pato, tu n'es plus jaune. Tu es violet maintenant. Et toi, Ellie, tu es toute verte. Je comprends. Tu aimerais retrouver ta vraie couleur, n'est-ce pas? Oui, il faut trouver une solution. Tu cherches une idée pour sortir de ce trou noir, Pocoyo. Tu sais ce que je crois? Je crois que ta bille noire super spéciale est la clé de l'énigme. Je crois qu'elle peut vous ramener chez vous. Bravo, Ellie! Dans ce monde-là, la bille noire de Pocoyo serait blanche, bien sûr. Et maintenant... Regardez! Un trou blanc! Sautez dedans, les amis, vite! Qu'est-ce qu'il t'arrive, Pato? Tu ne veux pas redevenir jaune? Oh là là! Vous vous êtes trompé de monde! Regardez, vous êtes des personnages en papier. Dépêchez-vous de retrouver la bille noire de Pocoyo. Bravo, Pato, tu l'as retrouvée. Oh non, vous avez été transformé en ballon. Vous voilà revenu chez vous. Dites-moi, j'espère que vous n'avez rien oublié. Excellente question, Pato. Qu'est-ce que vous allez faire de la bille noire? Tada! J'ai l'impression que Pocoyo vient d'avoir une idée. Une fusée? Oh, j'ai compris. Je vais commencer le compte à rebours. Prêt? 3, 2, 1, paré à décoller! Eh bien, vous avez vu, les amis, cette nuit est vraiment magique. Au revoir et à bientôt! Pocoyo est la ligue des super amis extraordinaires. Ah,
le cosmos. Un endroit si mystérieux. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une météorite. Waouh! Impressionnant! Ah, je crois que nous avons de la visite. C'est un martien en colère. Tes intentions sont pacifiques, n'est-ce pas, martien? Oh non! Fred Fury a raison, nous avons besoin d'aide. Voilà nos courageux amis qui viennent à la rescousse. Bien, regardez tous ces costumes de super-héros. Waouh, super Pato Magneto. Qu'est-ce qui ne te plaît pas? Oh, super Pato tout vert. Ah bon, celui-là ne te plaît pas non plus. Super Pato vintage? Ah non, je vois bien qu'il ne te plaît pas. Wonder Pato? Ah bah non, sûrement pas. Super Professeur Pato. D'accord, pas celui-là. Oh, Super Shadow Pato. Oh, Pato, ce costume te va comme un gant. Il est tout simplement magnifique. Super Shadow Pato. Et voici maintenant Super Ellie et Super Poupée. Et qu'est-ce que c'est que cette chose minuscule par terre? Super Nina et Super Roberto. Formidable! Tout le monde est là! Super Pocoyo! Aucun doute là-dessus, Pocoyo. Tu es bien super, Pocoyo. Ah bah oui, Pato a raison. Ça pourrait être aussi super Pato. Super Pocoyo. Dites donc, les amis, vous n'allez pas vous battre. Super Pocoyo. N'oubliez pas que vous formez une super équipe. Oh, ça suffit maintenant. Ouf,
sauver. Ellie, tu veux bien m'aider, s'il te plaît? Ces deux-là ont perdu la tête. Hein? Super éléphant tout rose? Et vous quatre, arrêtez ça tout de suite! Nina, aide-moi, s'il te plaît. Je ne sais plus quoi faire. Bagarre générale! Les amis, Fred Fury a raison. Vous devez absolument arrêter de vous chamailler. Génial! Voilà le super vaisseau spatial. Fred Fury, appuie sur le bouton qui permet d'ouvrir les portes. Oh non, je crois bien qu'il s'est trompé. Les voilà partis! Super Pocoyo! Écoutez les amis, ce n'est plus le moment de se battre. Vous formez une équipe. Vous devez travailler main dans la main. Au fait, qui pilote le vaisseau? Super Poupou? Mais non! C'est parfait. Vous êtes prêts à affronter les... Ellie? Super Poupée, c'est mieux. On est prêts à passer à l'attaque maintenant. Méchant monstre! Oh là là! Il est vraiment gigantesque, ce robot! Super Pocoyo! Que le méchant robot est en train de gagner. Oh. Ça alors? Quelle drôle d'ouverture. Pato. Là. Hehehehe
Non, cette ouverture est bien trop petite pour vous. Bien joué! Maintenant, vous allez pouvoir vous faufiler à l'intérieur. C'est notre chance de remporter la bataille. D'accord, ça doit être l'ordinateur principal. Et ça, ça m'a tout l'air d'être une espèce de manette. Oh, mais bien sûr! Roberto a raison, la manette est en bas. C'est pour ça que le robot est méchant. Mais si on la pousse vers le haut, il va devenir gentil tout plein. Vous avez réussi. Voilà, c'est parfait. Formidable. Au revoir, petit martien. Bravo, les amis. Vous avez été super courageux. Vous êtes une super équipe. Attendez. Vous êtes vraiment... Vous êtes un groupe de... Ah ben non, c'est pas ça non plus. Vous êtes des super amis. Non, ça y est. Ah oui, je sais. Vous êtes la ligue des super amis extraordinaires. La maison rose. Bonjour, Ellie. Qu'est-ce que tu fais? Ah, tu repeins ta maison. Bien sûr, tu l'as peint en rose. Le rose est une jolie couleur. Oui, une très jolie couleur. Non, pardon, je voulais dire la plus belle couleur du monde. La plus belle de tout l'univers. Bonjour Pocoyo. Bonjour Pato. Bonjour. Ellie n'a pas encore fini de peindre sa maison. Peut-être que vous pourriez l'aider.
je crois que... Peut-être que... Oui, Ellie aimerait beaucoup que vous l'aidiez. Pendre. Eh bien, Ellie, ta maison est vraiment très rose. Quoi, qu'y a-t-il? Un Pocoyo, un pot de peinture rose. Pato, j'ai peur qu'Ellie n'aime pas la couleur que tu as choisie. Ellie insiste. Elle veut que tu peignes la maison en rose. Non, bleu. Tu as vu, Ellie? Pato a peint ton portrait sur le mur. Mais Ellie, ce n'est pas une mauvaise idée de mettre d'autres couleurs. Tout rose? Ellie, tu es sûre? Mais Pocoyo! Oh non, Pato, arrête! Écoutez, les amis, vous devriez peut-être... Arrêtez tous les trois, calmez-vous. Mais calmez-vous! Si vous n'arrêtez pas de vous chamailler, jamais vous ne trouverez de solution. Regardez-moi cette pagaille. Excellente idée, Ellie. Chacun de vous va peindre une partie de la maison. C'est beaucoup mieux comme ça. À présent, la maison est vraiment magnifique. Au revoir et à bientôt, les amis. Le livre de coloriage. Bonjour, Pocoyo. Que fais-tu? Coucou. Livre. Tu lis un livre. Quelle bonne idée. Regarde, il y a une pomme rouge, une voiture rouge, une coccinelle rouge et un cœur qui est... Rouge.
Oh, regarde, et un Pocoyo tout rouge. Non, Pocoyo bleu. Tu en es bien sûr? Pocoyo rouge. Rouge, 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 tout rouge. Rouge? Non, Pocoyo, c'est du jaune, comme toi. Jaune! Ellie! Bonjour, Ellie. Ellie jaune. Jaune comme livre. Oui, Ellie. Pocoyo a un livre magique. Et quand tu tournes les pages, tout change de couleur. Quelle bonne idée, Ellie. Allons chercher Pato. Oui, Pato. Bonjour, Pato. Pato. Peut-être devrions-nous expliquer à Pato que, grâce au livre, tout va devenir bleu maintenant. Pato bleu. Oh, tu ressembles à une myrtille avec un bec. Je voulais dire, je pense que tu devrais te regarder dans un miroir. Mais Pato, c'est un très beau bleu. Eh bien, tu as raison. Un canard devrait être de couleur jaune. Jaune canard. Ou vert. Vert. Pour être honnête, c'est aussi une très belle couleur, n'est-ce pas? Oh, bon sang. Ellie dit que c'est à son tour d'avoir le livre. Non, mon livre. Orange, quelle belle couleur pour un éléphant. À moi. Violet. J'ai bien peur qu'Ellie et Pato ne soient pas très contents de cette couleur. Les amis, mais combien y a-t-il de couleurs dans ce livre? Stop! Mon livre rangé. Oups. Oh, quand tu as rangé le livre, la lumière a disparu avec. Non, les couleurs ont changé. Voyons voir, Pocoyo. As-tu trouvé comment résoudre le problème? Je voulais dire en partageant le livre. Non! Mon livre. À moi. Allez, Pocoyo, réfléchis. Peut-être que si tu prêtes le livre, les couleurs reviendront à la normale. Oh, ou peut-être pas. À moi! Et c'est reparti. Enfin, regarde Ellie, tu es redevenue rose. Oh là là. Les couleurs se sont mélangées. Tu as bien raison, Pato. Il est temps de récupérer vos couleurs. Oh, les amis, vous avez perdu vos couleurs. Couleurs? Oh non, tout le livre est blanc. Nous ne verrons plus le rose d'Ellie ou le jaune de Pato ou le joli bleu de... Idée. Pocoyo, tu as une idée? Ellie, Pato. Choisis couleur.
Pato. Et moi. Quelle idée formidable, Pocoyo. Mais tu penses que ça va marcher? Oui, ça a marché. Ça a marché. Youpi! Oh, bon sang. Les enfants, vive les livres de coloriage et vive les amitiés pleines de couleurs. Au revoir et à bientôt. Bonjour, Pocoyo. Bonjour. À quoi allons-nous jouer aujourd'hui? Tu as une idée? Oui, il y a quelque chose là-bas. C'est un objet qui brille beaucoup. Je ne crois pas que Pocoyo sache ce que c'est. S'il vous plaît, les enfants, aidez-le. Dites-lui comment s'appelle cet objet. C'est une clé. Clé. Exactement, c'est une clé. Seulement, je serais très curieux de savoir quelle serrure cette clé peut bien ouvrir. C'est un mystère. Vous savez quoi? Vous allez encore dire que je raconte n'importe quoi, mais je trouve que cette clé ressemble beaucoup à celle qui ouvre les coffres des pirates. Vous savez, les petites boîtes en bois où ils cachent leurs trésors. Trésor! 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 Trésor, trésor, trésor! Ça, c'est incroyable. Regardons de plus près. Mais oui, c'est bien un trou de serrure. Comme c'est étonnant. Trésor? Vas-y, essaye. Je ne suis pas un expert en trésor, c'est vrai, mais c'est la première fois que je vois une chose pareille. Non, il n'y a pas de trésor par ici. Pardon de t'avoir réveillé, Dodo l'oiseau. Clé. Trésor. Trésor. Clé. Trésor. 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 Tiens, tiens, un deuxième trou de serrure. Je ne savais même pas qu'on avait une cave. Trésor? Trésor? Trésor, trésor, trésor. Trésor, trésor, trésor. Trésor, trésor, trésor. Trésor. Tu es étonné de nous voir, n'est-ce pas, Pato? Trésor, Pato! Trésor, trésor! Comme c'est intéressant. Vas-y, Pocoyo, essaye. Oui. Vous voilà au fond de l'océan. Trésor? Si tu veux mon avis, Pocoyo, tu ne pourras pas aller plus loin. Autant remonter.
Je ne crois pas mes yeux. Regardez. Trésor. Trésor. Mais oui, tu as raison. Ça ressemble à un trésor. Plus rien ne m'étonne après tout ce qu'on a vécu aujourd'hui. Vas-y, Pocoyo. Ouvre le coffre. Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur. Des bonbons. Des jouets. J'ai hâte de voir quel genre de trésor c'est. Qu'est-ce que c'est? Oh, dites-le-moi. S'il vous plaît, les enfants, allez voir et dites-moi ce qu'il y a dans le coffre. Il y a plein de clés. C'est le meilleur trésor que l'on pouvait trouver aujourd'hui. On va pouvoir continuer à s'amuser. On va chercher les serrures, couvre toutes ces clés, faire des enquêtes et continuer à explorer le monde merveilleux de Pocoyo. Et qui sait parmi toutes ces clés, il y a sûrement celle du bonheur. Un grand bravo pour Pocoyo. Au revoir et à très bientôt. L'orchestre des balles. Bonjour tout le monde. Qu'allez-vous faire aujourd'hui? Chut. Oh, désolé, désolé, je ne voulais pas vous interrompre. Mais bien sûr, c'est l'orchestre des balles. Quelle jolie surprise. Oh, bon sang. Fête? Fête. Je ne sais pas, Pocoyo. Peut-être qu'ils vont juste utiliser la radio pour passer de la musique. Oh. Peut-être pas. Orchestre. C'est pas tout seul. Attendez. Bienvenue dans la radio du monde de Pocoyo. L'orchestre des balles vous a invité à leur fête. Mais pour la trouver, vous allez tout d'abord rechercher quelques indices. Nous vous tiendrons au courant. Cherche. Je ne sais pas, Pato. Peut-être que la fête est là-bas. Tu devrais jeter un coup d'œil. C'est la fin de notre émission, mais restez à l'écoute pour en savoir plus. Pato, où est ta note de musique? Là, Pato. Allez, Pato. N'oublie pas, nous allons à une fête. Fête.
Bien joué. Jolie mélodie, Pocoyo. Allez, Ellie, fais-nous danser. Et un, et deux, et trois, et... C'est ça, Pato. Remue tes plumes. Regardez, vous avez trouvé un autre portail secret. Super, vous vous rapprochez de la fête. Hé, les amis, écoutez s'il vous plaît. Chut, vous entendez? Oui, c'est la balle trompette. La fête ne doit plus être très loin. Allez, nous devons la trouver. Oh oh! Bonjour, Fred. Fête? Pocoyo se demande si tu sais comment aller à la fête de l'orchestre des balles. Génial! Dans quelle direction? Je n'ai pas compris, moi non plus. Fred, es-tu sûr? Il ne devrait y avoir qu'un chemin pour aller à une fête. Oh là là! Ça fonctionne, Pocoyo. Continue, continue de jouer. Tu as résolu la dernière énigme. Vive les amis! Comme c'est chouette les fêtes en musique où on danse avec tous ses copains. Au revoir et à bientôt. Un épisode spécial Halloween avec Pocoyo et ses amis. Regarde, c'est Pato et Pocoyo. Bonjour, que faites-vous ici? Des bonbons à sort. Oh, je vois, tu fais Halloween. Tu fais le tour des maisons pour avoir des bonbons et tu t'apprêtais à aller dans cette mystérieuse maison. Des bonbons ou un sort? Pato, Pocoyo a raison. Si tu veux des bonbons, tu dois être un peu plus courageux. Voilà, très courageux, Pato. Oh, bien, c'est très chaleureux. Et maintenant, que faisons-nous? Des bonbons ou un sort? Ok, eh bien, rentrons et prenons quelques bonbons. Pato a raison. Peut-être que nous devrions retourner de là où... Est-ce que tu dis que nous avons peur? Bien joué, Pato. Très courageux. Maintenant, attrape un de ces bonbons et sortons d'ici. Oh. Oh. Ça fait peur.
Peut-être que nous devrions jeter un coup d'œil. Allez, bateau, monte les escaliers. Bateau dit que ce serait mieux de regarder à l'étage. C'est... Oh! Wow! C'est un corbeau! Oh! Ceci est effrayant! Bébé oiseau! Oh! C'était juste bébé oiseau! Tu vois, Pato, il n'y a pas à avoir peur. On dirait que Pato préfère visiter tout seul. Voyons, Pato, ne fais pas la tête. C'est Halloween. C'est normal d'avoir un peu peur. Surtout dans une maison aussi... aussi... effrayante. Qu'est-ce qu'il y a, Pato? Oh, c'est un ascenseur. Et il y a une personne à l'intérieur. Oh, c'est Ellie, Nina, Lula et Roberto. Oh, 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 Pato. Pato? Attends, où vas-tu? Laisse-moi t'expliquer. Oh non, c'est un fantôme. Pato, calme-toi. Je suis sûr qu'il y a une explication logique à tout cela. Oui. Prends un bain et détends-toi. Tu vois, un bon bain chaud fait toujours du bien. Oh, Fred, c'est toi! Pato, attends! Oh non, pas encore le fantôme! Alors ça, c'est Dodo l'oiseau. Dodo l'oiseau! Tu vois, Pato, tout a une explication. Ce sont tous nos amis déguisés. Pato, derrière toi. Ce sont de vrais fantômes. Ils ont l'air plutôt sympathiques. Strange and as quiet as a mouse.
Everybody knows it. It's the fantastic little haunted house. Haunted house. Haunted house. Haunted house. Haunted house. Where all the ghosties are all very friendly. Come to the little haunted house. Haunted house. Where all of the monsters joke and love and have some fun. Bien, que d'émotion! C'était une expérience terrifiante! Au revoir et à bientôt! Bonjour, Pocoyo! Bonjour! Oh! Oh là! Qu'est-ce que c'est que ça? Et je me demande ce qu'il y a derrière. Dites les enfants, vous pensez que Pocoyo devrait l'ouvrir? Oui, ouvre-la. Une porte qui donne sur le ciel. Ça, alors, c'est inhabituel. Je me demande où est passé le ciel. Oui, mais... Non, attends. Je crois que Pato veut regarder les poissons. Les enfants, dites-lui où est son ami canard. Il est passé par la porte. Oh, Pato, te voilà. Pocoyo te cherche partout. Une minute. Pocoyo, tu viens de rater Pato. Pato. Non, Pato, attends. Oh là là. Je suis désolé, Pocoyo, tu viens encore de le rater. Oh là là! Cette porte est vraiment très bizarre. Recommence. Oh! Oh, tu l'as vu? Oui, il vient juste de passer. Voilà. Quelle surprise, une deuxième porte. Encore des portes, décidément. Thank you.
petit Pocoyo, tu ne peux pas baisser les bras maintenant. Oh, ces cris me rappellent quelqu'un. S'il vous plaît, les enfants, dites à Pocoyo qui vient de crier. Pato, c'est Pato. Oui, je crois que vous avez raison. C'était la voix de Pato. Tu devrais peut-être aller chercher de l'aide, Pocoyo. Ellie! Bonjour, Ellie. Pato, ici. Bravo! Vous l'avez retrouvé! Qui est-il, Ellie? Ah, tu travailles sur quelque chose. Ça m'a l'air plutôt important. Je me demande ce que c'est. Oh, je vois! Voilà pourquoi Ellie était si occupée. Elle était en train de préparer une petite fête. Comme c'est gentil! Bravo pour Pocoyo, parce qu'il n'a pas baissé les bras. Au revoir et à bientôt.